Bonsoir, bienvenue au Centre Pompidou. Merci d'être venu. Ce soir, la BPI est heureuse de vous accueillir pour donc la sortie du dernier numéro de la revue Poly. Donc, c'est très important pour nous. Ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille à organiser des belles soirées pour la sortie de chaque numéro de Poly. Et ce soir, nous allons nous intéresser à la question des politiques sonores. Alors, la revue Poly que vous voyez sur la table basse est en vente à la librairie Flammarion du Centre Pompidou, qui sera sûrement fermée à la sortie de cette soirée, mais vous pouvez également acheter la revue sur le site web. Je pense que je vais laisser la parole à Pally Meursault, qui va modérer cette soirée, qui va vous présenter les intervenants. Et je vous remercie encore une fois d'être venu. Bonne soirée. Merci, merci Bernadette Vincent et merci à la BPI de nous accueillir. Merci aussi à Renaud Gis et à l'équipe technique qui nous ont accueillis toute l'après-midi pour mettre en place la soirée. Alors, avant de présenter les gens qui sont présents ce soir, je vais dire deux mots des gens qui sont absents. Stéphane Héloïse Gras et Mathieu Saladin qui devaient participer à cette discussion avec nous ce soir, qui ne sont pas là pour de bonnes nouvelles. Stéphane Héloïse Gras a été appelé au dernier moment à travailler à Tokyo et la compagne de Mathieu Saladin s'apprête à accoucher. C'est des bonnes excuses pour ne pas être là. Je vais commencer par remercier du coup tout de suite GDDS Scholar d'avoir au pied levé accepté l'invitation suite au désistement de Mathieu. GDDS qui est membre du comité de rédaction de la revue Volume, qui a notamment dirigé un numéro consacré à l'écoute et dont le travail, on va dire, se centre beaucoup sur les études des musiques populaires. À ses côtés, Juliette Volclair, qui est chercheuse indépendante et auteure d'un ouvrage qui a été assez remarqué aux éditions La Découverte sur le son comme arme, sur les usages policiers et militaires du son. Et qui, plus largement, mène un travail d'enquête sur les transformations du son dans l'espace public au XXIe siècle, au-delà de la question des armes acoustiques. On aura l'occasion d'évoquer avec elle la question de l'urbanisme sonore et du design sonore de l'espace public, ce qui est d'ailleurs le sujet de sa contribution au numéro politique sonore. Et puis Maxime Boisdy. Maxime Boisdy, qui est le traducteur d'Une histoire de la modernité sonore, The Audible Past de Jonathan Stern, coédité par la rue musicale de la Philharmonie de Paris et les éditions La Découverte, qui est aussi co-directeur du numéro de Poly. Jonathan Stern est également présent dans la salle et on l'invitera à un moment de la soirée à nous rejoindre pour parler ici. On essaiera de faire la traduction en direct. Je vais faire une petite présentation un petit peu des intentions de ce numéro de la revue que nous avons intitulé Politique sonore et l'écho donné dans ce titre au nom même de la revue. Poly pour politique de l'image, qui n'est évidemment pas innocent. Maxime Boisdy reviendra dans quelques instants sur la manière dont nous avons souhaité articuler théorie du sonore et théorie du visuel dans les pages de la revue. Mais ce titre générique et au pluriel témoigne aussi sans doute de la prudence avec laquelle il s'agit d'énoncer que le sonore peut bel et bien faire problème et constituer un objet d'étude, un objet à part entière et un objet articulé avec l'ensemble des constructions de la perception et des productions de la subjectivité. Nous avons conçu ce numéro comme une contribution aux études du sonore, destinée à entrer en résonance avec d'autres qui, et c'est heureux, sont de plus en plus nombreuses. Pourtant, c'est encore difficile d'introduire les problématiques liées au sonore dans son acceptation culturelle, sociale, politique, sans devoir en passer d'abord par quelques figures imposées qui légitiment le questionnement. Souvent, et notre introduction au numéro 11 de Poly, et c'est le cas aussi pour certains articles, ne font pas exception. Il convient souvent de rappeler au préalable que nos cultures perceptives sont largement centrées sur le visuel et que le sonore mérite davantage d'attention et de réflexion.
ce à quoi on essaye de contribuer avec ce numéro, c'est de faire en sorte que de cela, il ne fera bientôt plus aucun doute. La relative lenteur avec laquelle les études du sonore s'imposent comme un exercice légitime est peut-être également due à la multitude des points d'entrée à partir desquels on en vient à parler de son ou d'écoute, et la multitude des croisements nécessaires pour faire émerger les problématiques. Pour nous contribuer à ce débat, ça a aussi impliqué de mettre en lumière certains de ces croisements, du côté de la théorie comme du côté des pratiques. Du côté des pratiques, ce sont notamment les arts sonores et les expérimentations musicales qui se devaient de trouver une place dans la revue, en ce qu'ils peuvent constituer une ouverture sur les domaines plus vastes du son, pris dans une acceptation culturelle, sociale ou politique. La question de savoir s'il est préférable de revendiquer une extension du domaine de la musique ou bien au contraire de s'en affranchir en adoptant une position d'artiste sonore, justement, continue d'animer certains débats de spécialistes, mais peut-être que ce n'est pas aussi essentiel d'y répondre que de constater que les esthétiques sonores d'aujourd'hui se nourrissent et à leur tour interrogent un domaine plus étendu de l'expérience du son qui ne saurait se limiter ni à la pratique et à la réception de la musique, ni se référer au seul cadre de la musicologie. Dans notre numéro, l'entretien avec Yannick Dobie donne un bon exemple de la manière dont un musicien et preneur de son peut être amené à changer de position, de technique, de compétence, mais aussi de grille de référence théorique afin de qualifier les objets de ses écoutes. Et si Paul Egarty, de son côté, y est amené à élaborer une part de sa philosophie du bruit à partir de sa propre pratique musicale, ou anti-musicale, pourrait-on dire, cette extension du domaine de la musique est aussi ce qui anime de nombreux chercheurs, et notamment des revues comme Tasset ou Volume, dont Jedediah sera notamment un représentant ce soir, contribue aussi à nourrir de manière significative la réflexion sur le sonore à partir et au-delà des pratiques musicales. En fin de séance ce soir, les interventions sonores que proposeront Gaël Segalen et Yann Leguet participeront aussi à cette réflexion. J'en réserve une présentation un peu plus détaillée pour plus tard et on se donnera aussi l'occasion de les faire entrer en écho avec nos discussions. Du côté de la théorie et des sciences sociales, on ne peut manquer de rappeler les fondations importantes posées par des philosophes comme Peter Zindi ou Jean-Luc Nancy sur la musique et l'écoute, des sociologues comme Vincent Rouzet ou Anthony Péqueux qui ont pour leur part largement contribuer à faire glisser la question de la réception de la musique vers celle de la construction sociale de l'espace sonore, la manière dont la vie quotidienne est construite par le son, par la musique dans l'espace public, par les usages du baladeur, par l'organisation des sons et des bruits de la ville. Et cela peut ainsi nous permettre d'aller plus loin dans la réflexion sur ce qu'on appelle le paysage sonore. Et si c'est un compositeur, Raymond Murray Schaeffer, qu'on doit d'avoir introduit la notion, c'est aussi grâce aux sciences sociales que l'on peut mesurer la profondeur de la problématique du paysage sonore. Et par exemple, l'historien Alain Corbin a montré à quel point le paysage sonore recouvrait une réalité politique. Avec Juliette Volclair, qui est donc contributrice dans le numéro d'une approche critique des rêves organisationnels et comportementalistes du design sonore et de l'urbanisme, on aura l'occasion de prolonger certaines de ces questions. Parmi les nombreux croisements disciplinaires dont je parlais, à partir desquels on peut faire émerger la réflexion sur le sonore, il nous a semblé particulièrement important d'en mettre certains en lumière dans les pages de ce numéro. Notamment avec Michael Tossig, la mise en perspective depuis l'anthropologie postcoloniale de l'histoire du phonographe. La question de la voix et des identités de genre, abordée par Judith Perrenot, dont l'article fait écho à tout un champ de recherche. On peut citer notamment le travail de Aaron Arnold sur l'analyse sociophonétique de la voix genrée ou celui de Suzanne McClary, dont un livre important vient d'être édité par la Philharmonie, sur les questions de genre et de sexualité en musique. La question du handicap abordée avec l'article de Nicolas Mirzoeff, qui en étudiant l'histoire de la culture visuelle des sourds en arrive à définir comment se constitue la domination d'une majorité entendante. Et bien sûr, la question de la technologie, largement présente tout au long du numéro, notamment à travers l'article de Stéphane Héloïse Gras sur les systèmes numériques de recommandation musicale, question sur laquelle nous allons revenir au cours de la discussion. Cet ensemble de croisements, de lignes de recherche et de mise en perspective du fait sonore contribue ainsi à faire apparaître les contours d'un champ de recherche, et le long entretien accordé à Jonathan Stern qui termine « Politique sonore » permet d'entrer dans le détail de ce qui constitue les sound studies.
Ça m'amène donc à transmettre la parole à Maxime Boisdy pour poursuivre cette introduction, qui est très bien placée pour en parler, puisque, comme je l'ai dit, en plus d'avoir réalisé avec Stéphane Roth l'entretien avec Jonathan Stern, est aussi le traducteur d'une histoire de la modernité sonore qui vient d'être publiée également à la Philharmonie en coédition avec les éditions La Découverte. Je te remercie. Pour continuer un peu sur les remerciements, la revue Poly tient évidemment à remercier la Philharmonie de Paris qui a participé, qui a soutenu financièrement le numéro dans le cadre d'une politique éditoriale plus large, qu'il faut également présenter pour resituer un petit peu le projet général de ce numéro 11 de Poly. Donc la Philharmonie de Paris a lancé un label qui s'appelle La Rue Musicale il y a un an maintenant, qui a donc déjà abouti à la publication d'ouvrages de musicologie critique, notamment l'ouvrage de la musicologue féministe Suzanne McClary, Feminine Endings, donc traduit en début d'année si je me rappelle bien, et également une collaboration avec les éditions La Découverte qui a déjà abouti à 3 ouvrages. 2 livres ont été publiés au printemps autour de l'exposition David Bowie et consacrée au glam rock. L'un d'eux, de Philippe Auslander, sera peut-être abordé ce soir dans le cadre des discussions, intitulé Glam rock, la subversion des genres, qui reprend un certain nombre de problématiques qu'on a voulu faire exister également dans le numéro à travers la question des performances genrées, de la subversion des identités, donc le texte de la musicologue Judith Perreno qui emporte certaines thématiques qui ont également connu une réception, ou en tout cas une diffusion parallèle avec cet ouvrage sur le glam rock. Et donc le troisième ouvrage, qui est donc véritablement le pendant de ce numéro 11 de Poly, et donc l'histoire de la modernité sonore de Jonathan Stern, qui nous fait l'amitié d'être avec nous ce soir. Et donc, ouvrage classique des Sound Studies, initialement publié sous le titre The Audible Past en 2003. Et donc, voilà, l'ambition du numéro de Poly qui articule un certain nombre de problématiques sonores contemporaines était justement à la fois de cultiver une autonomie par rapport à cet ouvrage et dans le même temps d'en faire remonter un certain nombre de biais thématiques, c'est-à-dire des problématiques liées à la technique, liées au phonographe, liées à des dispositifs de reproduction sonore, donc c'est le cas avec le texte de Michael Tosi que Pali a déjà mentionné. Plus particulièrement, ce que le numéro a essayé de mettre en évidence, ce sont les articulations entre 2 champs de recherche. D'un côté, ce qu'on appelle les sound studies dans le monde anglo-américain, de l'autre, ce qu'on appelle les visual studies. Donc, articulation du son et de la vision qui a évidemment une longue histoire technique, esthétique, et également académique dans le champ francophone, mais qui a aussi certaines spécificités dans le monde anglo-américain depuis les années 80-1990, à travers la constitution de 2 champs autonomes, Sound Studies d'un côté, Visual Studies de l'autre, que le numéro a voulu confronter, tenter d'articuler autour d'un certain nombre de problématiques. Donc la plupart des textes traduits relèvent de cette articulation-là. Le texte de Judith Perreno effectivement porte sur la performance genrée, sur la performance de la voix, mais s'inscrit aussi dans une lecture critique d'un certain oculocentrisme, d'une centralité de la vision dans la réflexion sur le genre. Le texte de Michael Tosig, encore une fois, articule une réflexion de fond anthropologique sur les rapports entre la photographie coloniale et la phonographie coloniale, c'est-à-dire sur des usages du son et des usages de l'image dans l'enquête anthropologique. Donc pareil, tension entre le visible et le sonore, tension aussi entre les champs de recherche qui en traitent depuis une vingtaine d'années. C'est encore le cas avec Nicolas Mirzoeff, donc un texte qui porte sur qui s'appelle Une poésie muette, donc qui porte sur l'art des artistes sourds à la fin du XVIIIe et durant le XIXe siècle en France, en posant la problématique justement de comment est-ce que la production visuelle en peinture ou en sculpture des artistes sourds au 19e est prise avec les débats portant sur la légitimité de la langue des signes dans la pédagogie des sourds, à savoir
un débat fait rage durant tout le 19e siècle entre les partisans de ce qu'on appelle l'oralisme, donc d'un apprentissage fondé sur une imitation de la langue orale, et les partisans de la langue des signes qui voient dans la production gestuelle et sémiotique un mode de communication tout à fait légitime. Et donc, au sein même de ce débat, la production des artistes sourds intervient comme une problématique, encore une fois, articulée entre le domaine du sonore et le domaine du visible. Et c'est encore le cas dans l'entretien que Jonathan Stern a accordé au numéro de Poly, puisqu'il revient abondamment sur un partage dont il traite dans sa très belle introduction à une histoire de la modernité sonore, puisqu'il essaie de théoriser les fondements même de Sound Studies, de ce qui pourrait s'appeler un champ des sound studies, et cette réflexion passe par une critique de la centralité de l'image ou de la centralité de la vision dans l'espace académique états-unien de l'époque, et l'entretien a tout particulièrement voulu mettre l'accent sur la validité de ce propos 10 ans après, avec l'écart qui sépare la publication originale de la traduction française, afin de montrer on va dire tout ce qui articule ces deux champs l'un avec l'autre, qui les rendent nécessaires et qui construisent des problématiques nouvelles. Puisque voilà, on peut dire qu'une des conclusions, une des thèses du numéro dans son ensemble, c'est aussi que la réception des études visuelles et des études sonores sous ce qui a été appelé dans l'éditorial que nous avons rédigé avec Fred Payet et Pali, on a utilisé une expression d'étude culturelle du sensible pour essayer de qualifier ces cultural studies tournées vers le son, tournées vers l'image, et voilà, avec précisément l'idée de montrer à quel point ces champs sont reliés intellectuellement dans leur fondement épistémologique, dans leurs impératifs politiques, et à quel point l'un ne va pas sans l'autre, du moins en termes de réception critique, pour comprendre des spécificités, ce qui distingue en fait des travaux qui peuvent remonter aux années 60-70 dans le champ francophone, des travaux toujours actuels menés dans tout un ensemble de champs, dans le champ des arts, dans le champ universitaire, pour comprendre en fait ce qui peut être bien spécifique, qui mérite lecture, qui mérite débat, et tout particulièrement le débat de ce soir. Un point peut-être qui peut permettre donc de lancer véritablement les hostilités, c'est justement cette partition intellectuelle entre études visuelles et études sonores. Les études sonores, sound studies anglo-américaines, ne sont pas simplement aux prises avec ce domaine intellectuel, des études visuelles qui seraient son pendant. Les études sonores sont aussi aux prises avec d'autres perspectives critiques du monde anglo-américain, tourner plus généralement vers le fait musical. Alors, une des spécificités, peut-être pour le préciser, du numéro de Poly est d'avoir justement voulu traiter l'objet sonore en mettant la problématique musicale de côté. C'est peut-être l'occasion d'en rediscuter ce soir également. Ce qu'on appelle les sound studies a été pris avec d'autres champs intellectuels, celui qu'on a appelé la New Musicology dans les années 80, donc une perspective musicologique qui a voulu faire exister dans la réflexion, dans l'analyse musicale, les problématiques des cultural studies, à savoir les problématiques liées au genre, à la race, problématiques de classe également. Donc pareil, on retrouve aussi ce parallèle dans les études visuelles anglo-américaines, puisque la New Art History a également existé avec avec la même ambition. Mais on se retrouve aujourd'hui en fait avec tout un ensemble de publications, de revues, à la fois dans le monde anglo-américain et dans le monde francophone, qui articulent le son à la musique, qui articulent musique populaire et musique savante. Et on a, en gros, on a un partage quand même qui mérite d'être interrogé ou qui mérite tout simplement d'être pointé, parce qu'il guide des revues dont on peut faire la présentation. La revue Volume, par exemple, qui est consacrée aux musiques populaires, relèverait du champ des Popular Music Studies. Et donc on se retrouve aujourd'hui donc, dans un effort éditorial assez général qui dépasse de très très loin le numéro de Poly et la réflexion spécifique qu'on a voulu faire tourner sur l'axe sonore-visuel. En gros, on a un axe très large, on a un champ très large du fait sonore et du fait musical à interroger. Et c'est avec cette question-là que je me tourne
Verger Dedayas Glover, voilà, tout simplement, que penses-tu de cette partition entre New Musicology, entre Popular Music Studies, entre Sound Studies dans le monde anglo-américain? Et que penses-tu aussi des efforts éditoriaux qui ont été développés autour de ces champs, de leur croisement, et comment vois-tu en fait ce modèle de diffusion d'idées, de croisement? Alors, pour ce qui est du champ des Popular Music Studies, le champ d'études qui s'adresse, enfin, qui prend pour objet ces musiques nées à la fois avec la reproduction sonore d'un côté et l'industrie, le marché de la musique, c'est assez évident qu'il s'agissait, même si éventuellement l'affiliation avec tout ce qui concernait le visuel n'était pas évidente, il s'agissait de rompre avec l'oculocentrisme, ou plutôt le graphocentrisme de la musicologie classique. Quoi. Non plus penser la partition comme étant le dépositaire du sens de la musique, mais voir comment les pratiques musicales, qu'elles soient les pratiques musiciennes ou les pratiques des fans de musique populaire, étaient constituées par plein de détours qui ne passaient pas nécessairement par cette référence absolue à l'idéal graphique de la partition. Et donc, dans le geste même de s'intéresser à un objet un peu bâtard comme les musiques populaires, il y avait cette contestation de cette centralité de la partition, du médium graphique, d'une réduction de la musique, ou en tout cas du regard tourné vers cet idéal dans le monde des idées, hein, que serait la partition. Et du coup, les études sur les musiques populaires sont faites de cette espèce de geste intellectuel qui considère que les musiques populaires sont faites de toutes ces médiations. C'est-à-dire que si on pense cette question du son, du bruit, etc., les musiques populaires, elles ont partie liée avec la phonographie, et donc évidemment avec cette question de tout ce qui déborde, ce qui peut être facilement retranscrit sur une partition. Il y a d'emblée, si vous voulez, à travers cette concentration, cette focalisation sur les médiations, qu'elles soient celles des intermédiaires de la production musicale, les médiations sonores liées à la phonographie, au travail des ingénieurs son, il y a cette idée qu'on peut réinvestir de la médiation dans la musique. Et ces médiations, elles sont discursives, elles sont technologiques, elles sont culturelles. Ça veut dire qu'il y a, et c'est quelque chose qu'on voulait montrer avec le numéro de volume sur l'écoute, l'écoute des musiques populaires, elle est faite de tous ces détours de l'oreille que l'oreille prend par d'autres sens pour pouvoir s'accomplir. Et donc, avec un décentrement par rapport à ce qui peut être considéré comme, en effet, le graphocentrisme dans la musique classique. Ce geste hybride, il est propre aussi, finalement, aux cultural studies, et c'est un geste qui invite à réintégrer ces dimensions plurisensorielles des pratiques musicales, des significations musicales chez le peuple. C'est-à-dire que la critique classique qui est faite aux musiques populaires, leur hétéronomie fondamentale, elle est fondamentalement réappropriée par un geste comme ça, méthodologique et critique. Cette hétéronomie, ces médiations, elles font partie même de ce que c'est que l'expérience musicale, de ce que c'est que la production musicale, de ce qui permet à ces musiques d'advenir. Et il ne s'agit pas de réduire ces musiques à l'intention qui se nicherait en elles, qui serait celle de l'industrie musicale et de ses mauvaises intentions vis-à-vis du peuple ou des auditeurs qu'il s'agirait d'aliéner par des formes industrielles. Il s'agit de considérer tout ça comme le matériau même de la pratique musicale, de la pratique musicienne, des formes de sociabilité par la musique. Ce qui veut dire qu'on intègre en effet différentes dimensions sensorielles, que l'expérience elle n'est pas faite simplement de nos oreilles, elle est faite de tous les détours, toutes les médiations qui intègrent le bruit, intègrent le hasard, quelque chose qu'on retrouve évidemment aussi dans l'expérimentation sonore, dans l'art sonore, etc. Mais c'est là où les Popular Music Studies sont en effet, à la manière des Cultural Studies, un carrefour disciplinaire qui permet justement de croiser les choses. Ça veut dire que c'est évidemment les modèles formels sont parfois, pour ce qui nous concerne, moins aiguisés, moins efficaces, parce qu'on a tendance à piocher, à jouer les pique-assiettes, si vous voulez, à prendre tout ce qui peut être pris du côté de la sociologie de l'art, du côté de la sociologie de la traduction. Je veux dire, par exemple, quelqu'un comme Antoine Aignan, c'est quelqu'un qui a théorisé la médiation et qui a montré comment on ne pouvait pas réduire la production, la réception musicale, simplement à des questions en effet graphiques, etc. Donc, pour nous, tel que nous, on pense notre travail critique au sein de Volume, il y a cette, en effet cette dimension, cette
plurivocité, cette multiplication des voix possibles et des perspectives possibles sur la musique qui intègre du coup le visuel, le gestuel, la sociabilité et qui invite à ce dialogue entre les sens d'une certaine manière. Donc en gros, oui, il y a vraiment une question de... En gros, c'est la question de la centralité qu'on adopte et à partir de quoi on irradie, c'est-à-dire une dimension plutôt musicale comme élément central, voire une dimension plus sonore qui quitterait toute forme de musicologie et à partir de là, irradier pour arriver à trouver les articulations possibles, les problèmes contemporains, etc. Jusqu'au clip, je pense, qui est une autre manière de retrouver le visible avec cette perspective des études culturelles comme ancrage central. Évidemment, il ne s'agit pas... Bon, moi, je ne suis pas musicologue, par exemple, et je reconnais que ça peut être un défaut lorsqu'il s'agit d'analyser le lien entre les formes et la réception. Mais disons que, en tout cas, le travail qui est fait par des études qui prennent en compte les médiations sonores, qui prennent en compte le bruit, qui prennent en compte toutes les étapes intermédiaires de la production musicale, toutes les médiations qui permettent à la musique d'exister et d'être perçue, ça implique en effet de critiquer les modèles formels de la musicologie pure, et qui n'étaient absolument pas destinés à analyser quelque chose comme un solo de free jazz, des timbres un peu hallucinants, et le travail de feedback qui peut être réalisé en studio dans les années 60 par des groupes de rock. Quoi. Et donc, en effet, ça ne veut pas dire qu'on rejette, et les Popular Music Studies ont partie liée avec la New Musicology, ça ne veut pas dire qu'on rejette et qu'on considère que la musicologie doit être complètement évacuée. Ça veut simplement dire que les outils propres à la musicologie, tels qu'elle existait jusqu'à l'avènement d'un nouveau champ d'études comme les Popular Music Studies, ou même la recherche sur les expérimentations sonores, n'étaient pas suffisants pour pouvoir comprendre, ne serait-ce que les formes musicales elles-mêmes. C'est-à-dire que même si on ne pense pas l'expérience musicale elle-même, si on considère ne serait-ce que la forme, c'est impossible. Moi, j'ai travaillé sur le free jazz, j'ai publié un ouvrage sur le free jazz en France. Il y avait une thèse de musicologie sur le free jazz qui avait précédé mon travail, qui disait, en introduction, c'est un parti pris, mais je ne veux absolument pas considérer le rôle du contexte dans l'avènement du free jazz en France. Bon, alors que pour moi, c'était évident qu'on ne pouvait pas comprendre cette musique si on la réduisait à une forme idéale qui était celle... de la partition, et que par ailleurs la partition elle-même avait beaucoup de mal à retranscrire quelque chose comme les débordements bruitistes du timbre d'un saxophoniste free, tout comme le travail de studio qui peut être fait à l'aide de l'amplification, de la phonographie, etc. Donc il ne s'agit pas, dans ma perspective de volume, de cloisonner les disciplines, il s'agit de, oui, enfin, encore une fois, toucher à tout, braconner un peu, pour pouvoir voir dans quelle mesure on peut reconfigurer les rapports entre les disciplines de telle sorte à produire finalement des outils plus compréhensifs et plus inclusifs pour penser quelque chose comme la musique populaire. Parce que tant qu'on reste dans le paradigme de la musicologie et de son idéalisme, si on veut, pour aller très vite, on se rend incapable de comprendre ne serait-ce que ce qui ferait la valeur des musiques populaires. Bon, et encore même la question de la valeur pose problème, parce que bon, en effet, on peut aussi trouver des formes signifiantes dans l'écoute de musique que nous, on pourrait juger simple, pas complexe, etc. Mais enfin voilà. Pour prolonger ça, je voudrais mettre en avant une autre ligne de partition entre le musical et le non musical, et tu l'as évoqué à plusieurs reprises, qui est la distinction entre la musique et le bruit. La notion de bruit, évidemment, est quelque chose qui se déplace beaucoup selon différentes cultures musicales, selon l'endroit où on se place et selon les croisements de différents objets qu'on veut regarder. Je voulais prendre deux secondes pour présenter, issu du numéro de Poly, l'entretien avec Yannick Dobby et le travail de Yannick Dobby pour justement matérialiser quelques éléments, quelques objets comme ça pour nourrir la discussion. Yannick Dobby est quelqu'un qui est à la fois musicien, artiste sonore, mais aussi un preneur de son qui est tourné vers des sujets naturalistes. Et il développe aussi à Taïwan, où il est installé, c'est quelqu'un qui est français mais installé à Taïwan, des projets pédagogiques et communautaires. Alors il fait partie des spécialistes de ce qu'on appelle le field recording, en français enregistrement de terrain. Donc il y a un débat là encore pour savoir si une telle pratique est à définir comme un ensemble de techniques, de prise de son, ou comme une esthétique et un courant de la musique expérimentale. Il me semble en tout cas important de noter l'affiliation du field recording avec les musiques électroacoustiques, la question de la musique concrète. Sauf que là où
le field recording propose, comme d'une certaine manière la musique concrète, des formes d'écoute qui sont issues de captation de bruit et de son, et propose aussi des écritures sonores sur support, mais il soulève aussi d'autres problématiques, en particulier là où les objets sonores de la musique concrète pouvaient être souvent conçus comme des unités phénoménologiques, objectivées, descriptibles dans les termes de l'acoustique. Chaque élément pouvait être isolé comme un son, avec son attaque, sa tenue, sa résolution, etc., un objet sonore. Le field recording, en sortant du studio, engage une relation à un terrain et se confronte à des paysages sonores, c'est-à-dire des ensembles complexes de phénomènes, d'interrelations sonores, etc. Dans le cas d'Yannick Dobby, que son travail conduit à la fois à composer de la musique ou à identifier des grenouilles ou à transmettre à des communautés les moyens de documenter un patrimoine sonore, tout ça avec des outils, le micro et l'enregistreur, qui sont souvent exactement les mêmes, ça implique d'interroger des perspectives écologiques, esthétiques, sociales, à travers lesquelles un même enregistrement peut être pris, en fonction de l'agencement que détermine une situation de travail, une intention ou un projet. Ce qui implique d'interroger la position que le preneur de son occupe dans un travail de terrain, de manière réflexive, sur son rôle, sur sa visibilité aussi, et à emprunter à des cadres d'analyse, dans le cas de Yannick Dobby, à des cadres d'analyse anthropologique, etc. Au fil d'une recherche comme celle de Yannick Dobby, c'est intéressant de constater de quelle manière un phénomène sonore, comme un cœur de grenouille, pour prendre un exemple dont il est question dans l'entretien, peut être à la fois une nuisance sonore, en tout cas c'est le cas à Taïwan pour les grenouilles, un support pédagogique auprès d'un public urbain déconnecté d'un environnement naturel pourtant proche, un document à valeur scientifique, puisque Yannick participe notamment à des comptages d'amphibiens, donc à des fins vraiment naturalistes et scientifiques, ou encore une matière musicale à partir de laquelle il va travailler quelque chose d'électroacoustique. Du coup, voilà, c'était pour donner un exemple d'une multitude de croisements sur la manière dont on peut définir l'objet sonore, à la fois dans... avec comme bordure différents cadres de référence et distinction entre la musique et le bruit. Et notamment, là, je voulais me tourner vers Juliette Volclair. Ton terrain à toi n'est pas le naturalisme comme celui de Yannick Dobby, mais il y a quand même cette question à la fois du paysage sonore, du bruit, des différentes manières d'entendre et d'interpréter des phénomènes sonores. Et puis, par exemple, dans les objets que tu as analysés, il y a des choses qui sont à la fois de la musique, mais de la musique particulière, comme la musaque et la manière dont elle est utilisée dans l'espace public, et puis des choses qui sont complètement des bruits, mais parfois inaudibles, sauf par ceux à qui on les adresse, comme le mosquito. Du coup, voilà, je voulais que tu nous parles un petit peu de comment se pose cette question de la musique, du paysage sonore dans tes recherches, et comment se rejouent ces distinctions à travers cette question-là entre bruit, musique, visuel, sonore, etc. Bon, en fait, quand j'ai commencé cette recherche, je ne me suis pas du tout posé la question des catégories d'études ou des champs de recherche. Puisque j'ai l'avantage, qui peut parfois être un inconvénient, d'être une chercheuse indépendante, donc je ne suis pas engagée dans une discipline spécifique. Et ce qui m'intéressait d'étudier, je viens davantage en fait, de la critique sociale et politique. Et donc, je me suis intéressée au son pour continuer à assurer dans ce domaine-là une analyse et une veille sur les formes que prend le pouvoir. Parce que vous avez fort bien dit que les sound studies sont pour l'instant à peu près inexistantes en France, en tout cas très, très, très parcellaires, très fragmentées. En revanche, il m'a semblé, à travers les deux objets de recherche principaux que j'ai eus, qui sont les armes acoustiques d'une part et l'urbanisme sonore d'autre part, que si les études sont pour l'instant à un état... débutant. Les industriels et les militaires ont 5 longueurs d'avance sur ces questions, quoi. C'est-à-dire que c'est absolument pas débutant en ce qui les concerne. Il y a une histoire qui débute, en ce qui me concerne, j'ai vraiment circonscrit à la Seconde Guerre mondiale pour m'intéresser aux questions, à la manière dont la technologie en fait
impactait sur l'espace public. Et donc, je ne me suis pas vraiment posé la question en termes de bruit, musique, visuel, sonore, mais plus à essayer, en fait, s'il y a une articulation qui me semble revenir très régulièrement, c'est celle dans le domaine du son, du fantasme, contre les usages réels. C'est-à-dire dans la question sur la question des armes acoustiques, c'est un objet, généralement quand je parle de ce sujet de recherche, ça intéresse tout de suite, ça fascine beaucoup de monde, et c'est une fascination dont je pense qu'il faut réussir à se déprendre, parce qu'elle est elle-même un instrument de pouvoir, elle est utilisée comme ça. Et notamment tout ce qui est, je retrouve en fait ce même usage du fantasme, de l'imaginaire, dans la manière dont le son est en train doucement de modifier l'espace public sonore et l'espace public tout court, en essayant de, non pas de contrôler, parce que ça me semble pour l'instant assez vain, mais en tout cas de modifier, d'influencer les comportements dans l'espace public. Sur la question, à propos des armes acoustiques, je pense que le son est essentiellement utilisé pour des propriétés physiques, physiologiques, et que généralement, quand la question du contenu est abordée, c'est souvent pour disqualifier, en fait, soit pour disqualifier, soit au contraire pour fantasmer les pouvoirs du son. Et il faut toujours trouver une ligne de crête entre le fait de minimiser des usages réels du son qui sont en train d'être inventés ou poursuivis aujourd'hui, pour modifier les comportements dans l'espace public, pour augmenter l'arsenal du maintien de l'ordre, ou bien pour donner de nouveaux moyens d'action à l'armée. Mais à contrario, il faut ni minimiser, ni au contraire les fantasmer. L'imaginaire qui est, enfin, les discours à la fois des fabricants d'armes ou les discours des fabricants de jingles, si j'ose les mettre dans la même phrase, sont souvent très superlatifs, c'est-à-dire donnent au son un pouvoir quasiment magique. Et à mon sens, ce sont des discours qui sont performatifs, qui ont une visée en fait en énonçant un certain pouvoir du son, un certain pouvoir de la musique, d'un certain type de contenu, qui essaye en fait de constituer ce contenu en tant que tel, mais qui s'appuie sur aucune réalité tangible. Donc moi, c'était plutôt cette partition-là en fait que je voyais. Il y a dans cette ligne de partage entre le fantasme et l'usage, il y a aussi quelque chose qui est, dans ce planche des Daya, tu es en mesure de parler à propos de tes recherches aussi, qui est alors est-ce que c'est une ligne de partage, mais en tout cas l'articulation entre quelque chose qui est de l'ordre du discursif et quelque chose qui est de l'ordre des dispositions d'écoute, et comment les musiques et les pratiques musicales et les régimes d'écoute qui leur correspondent se recomposent, se reconstruisent en fonction de ces aspects-là aussi. Si on considère cette question de l'influence des dispositifs, et bon, si on parle justement de dispositifs, évidemment, on remonte à la source, on regarde un peu comment notamment Michel Foucault a théorisé les dispositifs, et bon, lui, il a commencé par penser les dispositifs disciplinaires, le panoptique, etc. On connaît tous ça, mais au fil de ses recherches, et en allant, si on regarde un peu ce qu'il a fait sur la sexualité ou plus tard dans ses cours au Collège de France, il contredit lui-même sa théorie du dispositif disciplinaire pour parler dispositif de sécurité, puis pour penser surtout vers la fin de sa carrière la question des usages. Et de fait, le dispositif n'est jamais quelque chose qui est contraignant en soi. D'une part, c'est jamais nécessairement en soi, si vous voulez, une configuration faite seulement d'éléments intentionnels qui s'imposent de manière autoritaire au sujet qu'il est censé contraindre. Il pense toujours, si vous voulez, le dispositif déjà, d'une part, comme quelque chose qui est hétéroclite, qui intègre toute une série d'éléments qui ne sont pas forcément coordonnés
intentionnellement, ce qui veut dire que tout ça n'est pas forcément configuré de manière parfaitement efficace et peut donc être défait. Ensuite, il s'agit de considérer la manière dont ces dispositifs produisent des subjectivations qui ne sont jamais nécessaires, qui ne prennent jamais toujours les mêmes formes. Et du coup, si on pense non seulement ce que fait Foucault, mais ce qui se fait du côté de la théorie de l'acteur réseau avec la sociologie de la traduction, aussi ce qui s'est fait beaucoup en infocom sur la question des affordances et de la question même de l'innovation, des usages de l'innovation, en effet, on a d'un côté, en effet, un ensemble d'éléments qui composent des prescriptions d'usage, des prescriptions d'écoute, hein, en effet, une industrie du disque pour ce qui est des musiques populaires, des manières de produire, des manières de mettre ça sur le marché, du marketing, des formes de diffusion, plein d'intermédiaires qui agissent là-dedans, mais, et qui aspirent à prescrire certaines formes d'usage, mais qui, à la limite, pour quelqu'un qui est un industriel ou un businessman, se contente simplement de savoir si les gens vont l'acheter ou pas. Et du coup, si on se réfère eh bien, au dernier Foucault qui pense les contre-conduites, les contre-usages, etc. Si on pense même à ce que fait, on l'a mentionné, Peter Zandi, sur comment on peut signer son écoute et comment finalement tous les appareils, tous les dispositifs techniques qu'on a à notre disposition pour pouvoir écouter la musique, par exemple, eh bien, on voit qu'on peut, à condition de ne plus, enfin d'accorder de la voix aux oreilles, notamment populaires, à plus simplement considérer que sous prétexte qu'elles ne parleraient pas, elles n'auraient rien à dire, on peut voir finalement des formes de déconstruction, de description, si vous voulez, ou d'usage non conforme des pratiques d'écoute par rapport à l'intention qui est inscrite dans la manière dont la musique est configurée. Donc, par exemple, je pense à ça notamment parce qu'il y a l'article de Stéphane Héloïse Gras qui a travaillé notamment sur la gouvernementalité algorithmique. Dans une perspective critique, on peut en effet dire qu'il y a quelque chose de terriblement effrayant dans la manière dont la collecte de données sur Internet, finalement, crée des nouvelles formes de prescription d'usage de l'écoute en ligne, par exemple. Mais en même temps, tant qu'on ne regarde pas la manière dont les gens concrètement pratiquent leur écoute, comment ils configurent leurs relations sociales via des sites de streaming, etc., on ne peut pas postuler une fois et pour toutes, comme éventuellement on pourrait le faire dans une perspective critique un peu à la Adorno, postuler une fois et pour toutes une nécessaire dépendance des publics à l'égard, ou une soumission disciplinée des publics à l'égard des dispositifs tels qu'ils sont conçus du côté, par exemple, en effet, des sites de streaming musical qui récoltent, en effet, massivement des données, qui peuvent analyser, et ça c'est intéressant pour la musicologie, des métadonnées sur les morceaux qui permettent éventuellement de dépasser le modèle justement de la partition, pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure. Mais encore une fois, il faut regarder les pratiques elles-mêmes. Et les usages, notamment les usages populaires, la musique populaire, enfin les musiques populaires, la musique, le rock, du rock à la techno, en passant par le jazz, le metal, le hip-hop, etc., sont des lieux formidables pour pouvoir explorer des formes de constitution de soi, de subjectivation, évidemment jamais parfaitement autonome, encore une fois, on est toujours dans une forme d'hétéronomie, mais au moins des formes de subjectivation qui ne répondent pas à l'impératif disciplinaire inscrit dans le dispositif lui-même. Et de ce point de vue-là, la seule perspective critique, si vous voulez, me semble insuffisante pour pouvoir penser, en effet, parce que sinon, soit on retombe dans un déterminisme par les industries musicales, par ceux qui formatent la musique, ceux qui la mettent à disposition des publics, soit on retombe dans le mépris de toute capacité d'agir populaire qu'on retrouve notamment chez Bourdieu, et on ne pense les formes d'écoute, les pratiques de constitution de soi qu'en termes de données sociodémographiques qui assignent certaines catégories, qu'elles soient de classe, de genre, de race, de ce que vous voulez, à des positions inscrites dans le marbre de leurs données sociodémographiques. Et ce qui est intéressant dans le numéro de volume sur l'écoute, dans les travaux sur l'écoute, chez Olivier Rouef, on vous l'avez mentionné, Anthony Péqueux, c'est de montrer que eh bien, l'écoute, l'expérience musicale, elle se constitue aussi dans un hic et nunc de l'expérience, dans des formes de constitution de soi qui sont pas autonomes mais relativement libres et qui ne peuvent pas être réduites si vous voulez à la volonté, à l'intentionnalité qu'il y aurait derrière le dispositif tel qu'il est construit par l'industrie, quoi. Pour enchaîner, il y a peut-être un couple conceptuel qui peut être intéressant à aborder dans la discussion, c'est le couple entre attention et distraction. Tu as mentionné l'article de Stéphane Héloïse-Gras justement sur la question de la gouvernementalité algorithmique, etc. Elle-même, dans la conclusion de son papier, mentionne la question justement de l'économie de l'attention, parce qu'on est arrivé à appeler l'économie de l'attention comme l'attention comme cible finalement économique
à produire, ou en tout cas pour, de telle sorte à produire des subjectivités par l'attention que l'on cherche à capter ou par la distraction que l'on produit. On retrouve aussi cette indétermination entre l'attention peut-elle être produite ou est-elle, ou les subjectivités sont-elles toujours, ont-elles, gardent-elles la possibilité toujours de se mettre en marge de l'attention qu'on demande d'elle. Je tiens à aborder en fait ce couple conceptuel-là parce qu'il fait, d'une part, je pense qu'il pourra peut-être faire débat avec Jonathan Stern, qu'il aborde également dans son dans l'entretien qu'il a accordé à Polly. Il y a aussi la question de l'articulation entre le sonore et le visuel. C'est un petit peu là-dessus aussi que je voulais peut-être remettre une couche, puisque j'avais abordé dans l'introduction un certain nombre de thématiques et d'auteurs qui ont été inclus dans le numéro. Cette question de l'économie de l'attention, elle a peut-être un sens aussi très important à gagner dans le champ académique et plus largement peut-être même dans un champ militant dans le monde francophone. Puisqu'elle est prise vraiment dans cette articulation entre le sonore et le visuel, en gros l'attention spectatrice ou l'attention auditrice sont des thématiques qui ont accompagné aussi l'émergence des paradigmes critiques dont on a parlé depuis un certain temps maintenant et qui en France ont déjà, notamment avec les travaux d'Yves Citon, avec des traductions novatrices de Jonathan Crary, notamment un théoricien très très important dans le champ des études visuelles à l'origine et qui a beaucoup élargi son champ d'investigation depuis, jusqu'à toucher la question du sommeil, puisqu'un petit ouvrage intitulé 24-7, Le capitalisme à l'assaut du sommeil, est paru très récemment en 2014. Donc, sur la centralité du sommeil, mais avec un paradigme critique qui aborderait également les questions de l'écoute. Donc on a cette question de l'attention peut-être sur laquelle on peut revenir ou vous aurez peut-être des commentaires à apporter sur un plan disciplinaire. C'est peut-être aussi une manière de reposer une question, et là je me tourne de nouveau vers Juliette Volclair, c'est la question en fait de la façon dont les dispositifs sonores tout simplement fonctionnent. C'est-à-dire tu as abordé déjà cette question du son utilisé pour ses propriétés physiques, de certaines particularités d'usage très, très spécifiques que tu as relevées dans tes travaux, mais voilà, très concrètement, même pour revenir sur les cas que tu as traités et que tu documentes dans ton article, voilà, comment en fait ces dispositifs sonores fonctionnent, comment fonctionne le mosquito, tout simplement, je pense qu'il y a une certaine curiosité autour de ça. Et à quel point, en fait, comment vois-tu en fait cette problématique en fait de l'articulation entre attention et distraction prise avec les fonctionnements tels que tu les as vus à l'œuvre et tels que tu les as documentés ? Oui, voilà. Pour parler plus concrètement sur ces questions-là, par rapport aussi à ce que Pali tu disais sur la musac et le mosquito, ce sont les deux couples principaux qu'on peut étudier effectivement par rapport aux tentatives en fait d'organiser l'espace public au moyen du son. La musac, c'est-à-dire la musique d'ambiance. Musac, c'est le nom en fait de la société états-unienne qui a formalisé, enfin qui a été la première usine à musique d'ascenseur, en gros, qui est née dans les années 1930, avec pour objectif elle a diffusé d'abord pourquoi musique d'ascenseur, parce que c'était pour essayer d'apaiser les esprits angoissés dans les ascenseurs, qui étaient relativement récents, voire tout à fait récents à l'époque, donc qui créaient une certaine anxiété. Et donc la musique était là pour apaiser les gens qui montaient dans l'ascenseur. Mais Muzak a eu d'autres lieux et d'autres domaines d'action, par exemple les usines. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, Muzak a joué un grand rôle pour tenter d'augmenter la productivité ouvrière, qui était une productivité ouvrière essentiellement féminine à l'époque, au moyen de la musique, c'est-à-dire stimuler en fait les... Muzak organisait des petits... structurait la journée en quart d'heure, la journée musicale en quart d'heure, chaque quart d'heure étant censé correspondre à un certain état général de l'émotion, puisque on s'appuie, ça c'est encore un autre objet dont on pourrait discuter, sur une sorte d'homme ou de femme, mais plutôt d'homme en fait, moyen, médium, une moyenne humaine qui réagirait émotivement de manière similaire à des stimuli musicaux sonores. Et donc Muzak a formalisé un concept qui s'appelle
le stimulus de la progression, c'est l'idée de mettre une musique qui éveille au moment où les personnes collectivement sont censées s'endormir, et au contraire mettre une musique qui va endormir au moment où tout le monde risquerait de s'exciter un petit peu trop derrière les postes de travail, sachant que ces musiques-là étaient diffusées sur les chaînes et pas sur les chaînes de montage, et pas, c'était pas du tout les mêmes playlists qui étaient diffusées dans les bureaux. Et donc la musique, la notion de musique d'ambiance, de fond sonore, est née en fait de ce travail à la fois commercial et conceptuel aussi de Musac Corporation, qui a beaucoup appuyé en fait sa démarche marketing, sa démarche commerciale sur des statistiques censément scientifiques qui en fait sont assez suspectes la plupart du temps, tellement elles sont tellement elles vont dans le sens en fait de Musac, quoi, c'est-à-dire que la musique est immédiatement performative pour impacter l'émotion, pour obtenir une certaine action d'une certaine personne, et c'est toujours le discours en fait qui sous-tend la diffusion de musique dans l'espace public aujourd'hui, même si c'est fait aujourd'hui de manière beaucoup plus soft et politiquement correcte, j'allais dire. Mais on retrouve exactement le même type de pensée à l'œuvre quand une chaîne de magasins dont le cœur de cible va être la jeunesse décide de diffuser de la musique forte, très rythmée. C'est indiquer en fait que les personnes âgées, premièrement, ne sont pas censées aimer cette musique, et deuxièmement, donc incidemment, ne sont pas censés venir dans le magasin. Et à contrario, les transports en commun dans divers endroits du monde emploient la musique classique comme moyen répulsif contre les jeunes, par exemple, puisque les jeunes sont censés, collectivement, en tant qu'entité moyenne, le jeune est censé ne pas aimer la musique classique et avoir une action immédiate de fuite quand il en entend. Avec le Mosquito, en fait, on aborde cette question-là de manière beaucoup plus hygiéniste, puisque je pense que le son, en fait, est en train, il y a un nouvel hygiénisme sonore qui est en train de se constituer à travers les dispositifs acoustiques qui sont aujourd'hui utilisés dans l'espace public. On utilise le son pour organiser certaines zones de la ville autrement qu'elles ne sont organisées au moyen du mobilier urbain ou bien visuellement. On crée une géographie invisible, en fait. Le Mosquito, pour revenir sur le dispositif principal qui est utilisé à ces fins-là, dans un cadre civil, dans un cadre urbain, c'est un petit boîtier qui est en vente libre sur Internet, si ça vous intéresse, et qui a été inventé en 2005 par une société britannique, Compound Security System. Et comme beaucoup de dispositifs acoustiques, il y a une petite légende qui est attachée à la création du boîtier. C'était l'inventeur, Monsieur Stapleton, a été très gêné que sa fille se fasse importuner par des adolescents qui traînaient toujours au même endroit sur un de ses lieux de passage habituels. Et du coup, il a voulu créer une sorte de super pouvoir acoustique, et il a inventé un petit boîtier qui utilise une propriété naturelle de l'oreille humaine, ou un défaut naturel de l'oreille humaine, qui est de vieillir très rapidement. Et au-delà de 20-25 ans, en fait, les très hautes fréquences, c'est-à-dire les sons très aigus, ne sont plus perçus par l'oreille. Et donc, il a retourné en fait ce défaut en dispositif répulsif contre précisément les jeunes, en diffusant un son très aigu, de façon intermittente, mais suffisamment forte pour être gênante, dans les lieux où le boîtier est installé. Et c'est d'où le nom, en fait, Mosquito, moustique, qui fait aussi référence d'ailleurs au fait que ce type de dispositif est utilisé, enfin les ultrasons, c'est-à-dire les sons que l'oreille humaine ne peut pas du tout entendre, parce qu'ils sont trop aigus, sont utilisés pour faire fuir les moustiques, pour faire fuir des petits rongeurs, pour faire fuir... C'est déjà utilisé en fait dans le domaine de la gestion animale en fait, en ville, dans les magasins par exemple. Ces boîtiers-là sont utilisés, y compris en France. Et là, c'est la première fois en fait que le dispositif, depuis 2005, donc, commence à être utilisé contre des humains, contre la matière humaine en tant que matière animale, quoi.
Et il y a eu une tentative pour l'introduire en France qui s'est soldée par un échec. L'introduction commerciale s'est soldée par un échec, mais en réalité, il y a quand même des dispositifs qui se vendent, mais sans publicité particulière qui est faite autour. Et c'est utilisé, par exemple, aux États-Unis, dans certains lycées, le boîtier est allumé à la sortie des cours pour signifier aux élèves que quand les cours sont finis, tout le monde rentre chez soi. C'est pas le lieu. Le lycée n'est pas un lieu de socialisation, n'est pas un lieu de discussion. C'est une rationalisation extrême de l'espace public et une manière de lui assigner une fonction spécifique selon les moments et selon les personnes. Je pense qu'on peut faire évoluer ces questions-là vers quelque chose, Jedaya, que tu as déjà mentionné, qui est la question de la production des subjectivités par le son, par les cultures musicales, mais aussi clairement par des outils parfois répressifs, sonores. Comment, alors depuis chacun de vos points de vue, vous interrogez, vous problématisez cette question de la subjectivation, de la production de la subjectivité. Tu en as déjà parlé un petit peu. Peut-être qu'on... C'est un petit débat qu'on a eu tout à l'heure dans les coulisses autour des usages de la musique en temps de guerre notamment. Si on va dénoncer toute forme d'utilisation de la musique pour des fins de motivation dans le cadre du travail à ce moment-là, est-ce qu'on doit dénoncer aussi finalement l'aliénation que représente pour des travailleurs afro-américains qui travaillent dans les champs le fait de rythmer leur journée de travail par la musique, c'est-à-dire que, encore une fois, c'est jamais le pouvoir qui s'impose de manière unilatérale aux gens, sauf évidemment pour les dispositifs qui, en l'occurrence, contraignent, mais c'est aussi, on se repose sur les dispositions des gens à utiliser la musique pour certaines fonctions, telles que se motiver, etc. Et une des choses qui me semblait intéressante à propos des usages de la musique en Irak, notamment, c'est que, bon, d'un côté, il y a évidemment, notamment tes travaux et ceux de Susan Kuzic, dont on parlait tout à l'heure, qui montre que, évidemment, quand on regarde les playlists des musiciens en Irak dans leurs iPads, on voit beaucoup de métal très violent, du death metal, aussi du rap gangsta, etc. Et donc là, on voit qu'ils ont sélectionné parmi les possibilités, les fonctions musicales de ces musiques, la fonction de motivation face à un environnement hostile, un environnement bruyant, évidemment, où il s'agit aussi de, finalement, dans une concurrence dans le bruit, pouvoir imposer son propre paysage sonore à celui qui nous environne, éventuellement à ce qui déborde le tank ou le hummer pour pouvoir effrayer l'ennemi, c'est la vieille fonction, les trompettes de Jéricho. Mais ce qui est intéressant dans d'autres travaux, notamment ceux de Lisa Gilman, c'était de montrer que ces mêmes soldats, éventuellement lorsqu'ils n'étaient plus au front, lorsqu'ils voulaient échapper à la rumeur de la guerre, au bruit de la guerre, se mettaient aussi à écouter la musique, éventuellement qu'ils n'écoutaient même pas chez eux, mais qui leur rappelait chez eux, leur famille, leurs parents, etc. Et donc il y avait des usages qui n'en faisaient pas simplement des machines de guerre qui leur permettaient de se subjectiver en tant que Robocop qui va tuer du vilain islamiste, mais aussi se reconstituer des subjectivités dans les petits espaces d'intimité qui pouvaient exister lorsqu'ils n'étaient pas nécessairement au front par l'écoute de musique country, de musique plus légère, etc. Et donc on voit que même chez des gens dont nous, Français, anti-militaristes, qui nous sommes opposés à la guerre en Irak, chez des sujets dont on pourrait avoir l'impression qu'ils se réduiraient finalement à ces pratiques violentes, extrêmement virilistes, macho de la musique, eh bien il y a aussi d'autres subjectivations qui existent qui finalement nous permettent de considérer aussi des formes d'ambiguïté dans la subjectivation, comme même chez un soldat en Irak. Alors bien sûr, il y en a qui ne font qu'écouter du death metal à des fins pour se booster leur virilité au front, mais il y a aussi finalement d'autres usages. Et finalement, on se rend compte que même dans des contextes qui semblent terriblement contraints, même dans des contextes qui semblent imposer une espèce de violence sonore, bruitiste aux oreilles de ceux engagés dans des conflits, on trouve des formes de subjectivation qui sont finalement plus légère, plus nostalgique, moins macho, viriliste, etc. Et ça me semblait une chose intéressante aussi.
Je ne trouve pas ça contradictoire, je suis tout à fait d'accord avec cette question-là, mais enfin, pour moi, après, sur le début de ton intervention sur comparer la musaque au champ, dans les champs de coton, par exemple, pour moi, cette comparaison-là, elle ne fonctionne absolument pas, quoi, parce que la production industrielle de musique, qui est une volonté de production industrielle de l'humeur, elle s'appuie justement sur ces aspects, sur cette histoire affective en fait, liée au son. C'est d'ailleurs marqué noir sur blanc dans une des études en fait, centrales, Music in Industry, de Harold Burismeyer, qui est un des artisans en fait, de cet usage-là de la musique dans les usines. Il s'appuie justement sur cette dimension affective, historique, collective. Disons, le chant a toujours été associé au travail pour véhiculer en fait une dimension positive. Sauf que Musac Corporation détourne complètement cet aspect-là, le tord complètement et le transforme en radicalement autre chose, quoi, qui est le fait de vouloir modeler l'humeur de façon collective, avec un succès, encore une fois, que je pense assez mitigé, mais le fait de diffuser de la musique dans cet objectif-là, c'est ça qui envoie le vrai message, en fait. C'est de dire, voilà ce qu'on attend de toi, ouvrier, ouvrière. On attend de toi tout de suite que tu te calmes, on attend de toi tout de suite que tu te remotives un peu. C'est ça le vrai message de la musique, et non pas son effet magique supposé sur le psychisme ou le corps de l'individu. Sur l'usage de la musique sur le champ de bataille, effectivement, et il y a un auteur comme Jonathan Pislack qui a étudié sur la dernière guerre d'Irak les différentes modalités d'usage de la musique par les soldats, qui va de la motivation à l'arrière, au moment de grosses fêtes collectives pour décompresser, jusqu'aux usages offensifs qui ont été effectivement très très bien analysés et documentés par Suzanne Kuzik dans un document qui est disponible en ligne, qui est traduit aussi en ligne en français si vous le cherchez. C'est très différent, en fait, à partir du moment où la musique est diffusée. Donc, quel est l'usage, en fait, offensif de la musique dans ce cadre-là ? C'est, il est double. C'est dans les prisons secrètes de la CIA. C'est le fait de diffuser de la musique non-stop pendant des jours et des jours, 24 heures sur 24, à des détenus, à plein volume. Cet usage-là de la musique fait partie de l'arsenal de la privation sensorielle, qui peut prendre d'autres formes, par exemple le silence total, qui a exactement le même effet. En fait, la privation sensorielle, c'est l'idée de priver un individu de l'usage de ses sens, les sens étant ce qui nous permet de construire notre identité, de nous repérer dans l'espace et dans le temps. À partir du moment où il y a un continuum sonore, qu'il soit le silence ou le vacarme, un continuum visuel, qui soit la pleine luminosité ou l'obscurité, un continuum olfactif aussi, qui soit la puanteur ou au contraire l'aseptisation totale, l'effet est radicalement le même. C'est pour ça que dans ma première intervention, je parlais de se méfier aussi du discours sur le contenu, qui parfois est juste là en fait, pour minimiser en fait, des usages réellement violents et oppressants du son. Du son en général, musical, enfin la musique, le bruit, le silence. Et le deuxième usage offensif de la musique sur le champ de bataille, c'est diffuser à plein volume, cette fois non pas dans une cellule, mais sur les lieux de bataille. Et ça a plusieurs effets. En fait, c'est un peu, enfin, c'est la scène que tout le monde connaît par cœur dans Apocalypse Now, quoi. C'est manifester déjà une puissance technologique. C'est aussi jouer effectivement. Là, je vous renvoie à l'analyse de Suzanne Kuzik sur ce que va véhiculer la musique en termes d'identité. Et c'est aussi, de manière très concrète et très physiologique, jouer sur l'usure nerveuse de l'ennemi, par exemple, lorsque cette musique est diffusée également de nuit. Et ça notamment, depuis la guerre du Vietnam, en fait, ça joue un rôle. La musique est utilisée comme tactique officielle par l'armée américaine. Donc pour moi, en fait, ça ne disqualifie absolument pas les usages personnels que vont faire les soldats, qui sont des usages, des rapports à la musique qu'on partage, des usages affectifs, nostalgiques, effectivement.
mais le fait de l'utiliser dans le cadre d'une doctrine militaire, ou bien, quand on parlait de Musac, dans le cadre d'un objectif de rationalité industrielle, cet objet musical n'est quasiment plus le même, en fait. C'est comme si on prenait un objet... l'enveloppe extérieure de l'objet est sensiblement identique, mais à l'intérieur, il est entièrement inversé. Peut-être sur ces questions, on peut les prolonger en parlant du travail de Jonathan Stern et peut-être en l'invitant aussi à en dire quelques mots, puisque cette question des dispositifs sonores comme étant producteurs de subjectivité est un des cœurs de sa recherche. Je te laisse en parler. Jonathan ? Alors donc, Jedaya, tu viens de donner ton micro, mais tu nous avais promis de faire la traduction en temps réel, donc je t'en redonne un autre. Bonjour tout le monde, désolé pour mon français. So Jonathan, just maybe to start with, after the Audible Past, a book published in 2003, you have published another book entirely devoted to the format MP3, published in 2012, and it's centered around a thesis that is the MP3 as a format is used, it's a device which produces subjectivity. And other apparatuses, other medias in the past, the phonograph, the radio, other devices since the 19th century are also have been thought, produced, imagined as producers of subjectivity, that is with an ideal listener inside it. And so just to go ahead with our talk about the relationship between music, sound, and the production of subjectivity, could you summarize your point and how you have been... In MP3 or like the whole thing? In MP3 to start with, and right. Maybe if we have time enough. MP3 started when I got a lot of questions after the Audible passed. You know, it was the 2000s. People were still sort of drunk on the internet. And there was a lot of, well, that's great, that's history, but what about now? And I got, you're going to translate me? Yeah. Sentence by sentence. Perfect. Parfait. Yeah, totally. La question qui était posée à Jonathan Stern concernait, à propos de son ouvrage sur MP3, The Meaning of a Format, comment dans les formats numériques, en l'occurrence eux-mêmes, il y avait finalement un auditeur qui était inscrit, prescrit par les formats. Et donc Jonathan dit, d'abord la genèse de cet ouvrage est liée au fait que, bon, après avoir publié donc, The Audible Past, une histoire de modernité sonore, on m'a dit, bon, c'est très bien, c'est sympa, l'archéologie de la reproduction mécanique du son, mais bon, aujourd'hui, on est à l'ère du numérique, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de questions comme l'inscription de l'usager, de l'auditeur dans le format MP3? That's good, he didn't translate the joke, but that's okay. The jokes don't translate very well. So I got interested in the MP3 because an MP3 encoder is a device built around a theory of the subject, specifically the gaps and absences in a hearing subject. So an MP3 file is smaller than a file, say, on a compact disc because it removes first the data that are considered redundant, that a computer doesn't need to find what's in the file. And second, it removes data that it thinks won't be heard by an end listener. And I was really interested in the second part. That technology is called perceptual coding. And I wanted to know where that came from.
Alors, ce qui est intéressant avec le format MP3, c'est que inscrit dans le dispositif technique, la compression, etc., il s'agit d'une part d'enlever tout ce qui est redondant dans les données, d'une part, et ensuite d'enlever tout ce qui est considéré comme ne pouvant pas être entendu par l'œil humain. Et c'est ce second aspect qui intéressait Jonathan Stern, c'est ce qu'on appelle le codage perceptuel, c'est-à-dire comment, dans les formats de compression, on enlève certains éléments du son qui sont dans la manière dont on encode le format et dont on compresse le fichier dans le MP3. Perfect. So, two things were clear pretty quickly. I couldn't do what I did in the Audible past because the people who invented the MP3 are still alive. And so there was a lot of tacit knowledge in what they'd written and sort of things that they were clearly assuming but not writing down. So very quickly I started talking to the engineers. And when I did that, that opened up to a much bigger history because it was clear to me that the sort of world of sound that they operated in was so different from the way people in the humanities thought about sound and hearing and technology. And that set me down another path. Alors, contrairement au travail que j'avais pu effectuer lorsque j'avais travaillé sur la reproduction mécanique avec The Audible Past, là, comme j'avais affaire à des gens qui étaient encore en vie, eh bien, je pouvais directement m'adresser aux ingénieurs qui inventaient ces nouveaux formats et donc m'intéresser à leur monde sonore. Et je me suis rendu compte à travers ces entretiens qu'ils envisageaient leur pratique et leur profession de manière radicalement différente par rapport à ce que nous, on pensait dans le domaine des sciences humaines à propos du son. So one of the things that was very interesting to me was the degree to which these engineers were influenced by research in a field called psychoacoustics, which humanists basically hadn't touched. In turn, the degree to which psychoacoustics was shaped by questions that were related to the efficient operation of the phone system. In other words, from basically the time that AT&T became a monopoly and got interested in basic research in the 1910s, they were interested in what's the minimum amount of signal we can send down a phone line and have a person be understood at the other end. Alors, une des choses qui m'a semblé très intéressante, c'était finalement derrière ces recherches en ingénierie sonore, il y avait l'influence notamment de la psychoacoustique. Domaine qui n'avait pas du tout été étudié par les sciences sociales. Et il se trouve que la psychoacoustique elle-même avait été très influencée par les recherches sur la téléphonie, notamment dans les recherches menées par AT&T à partir du moment où c'était devenu un monopole dans les années 1910. AT&T s'était intéressé à finalement la question de quel est le minimum de signal sonore qu'on peut transmettre par la téléphonie. Et voilà ce qui semblait être une des premières choses intéressantes. So this is completely the opposite of the story we usually tell. Even though people in history now don't really believe in progress narratives, at least in the history I read, when people talk about sensory definition and technologies, the story we're usually told is one of ever greater definition. And even though we know better, and people like Michel Chion have criticized this idea, people talk about definition as if it's greater fidelity to reality. But what was clear to me was that all of these engineers were working in a completely different history, and they themselves would point back to the research that began at AT&T. They were working in what I came to call in the book a general history of compression, which is to say an attempt to optimize messages, transmissions, communications in relationship to the limits both of human subjects that they had to figure out how to measure and how to deal with, and the limits of communication infrastructures. Alors, les récits habituels qui sont tenus sur l'évolution de l'enregistrement sonore et la reproduction du son, en général, sont des récits qui suivent des modèles progressistes, en tout cas de progrès. On a tendance à croire qu'il y aurait un progrès dans la définition du son. Hein, c'est toute l'idéologie de la haute fidélité. Alors, en fait, lorsque je me suis penché sur la question du MP3, je me suis rendu compte que les ingénieurs ne se référaient pas du tout à cette question d'un progrès de la définition du son.
il se référait beaucoup plus à une histoire générale de la compression, à savoir comment optimiser les communications dans les limites des capacités des sujets humains et de ce que permet finalement la transmission de données, la transmission d'informations par les infrastructures de communication. So, your ideal hearer of the telephone, or your ideal hearer of the MP3, for instance, is not the subject that's paying attention, is not the subject that's fully immersed, but rather somebody who is hearing in an imperfect situation. So you'll read journalists who will complain about the fidelity of MP3s. First of all, MP3s vary widely in how much definition they have and how much someone can tell whether they're different from other kinds of recordings. But even assuming that there is some sort of audible difference between an MP3 and a higher definition recording, where and under what circumstances can you hear that? If you're listening in earbuds on a train, you're not going to hear that. If you're listening on the airplane, you're not going to hear it. If you're listening on computer speakers, you won't hear it. And if you're listening in a car or in countless other contexts, in a restaurant, that difference isn't going to make an audible difference. It's simply not audible above the ambient noise of your environment and the imperfections of the system of reproduction. Donc le sujet auditeur qui est inscrit dans le format MP3, c'est pas le sujet qui fait preuve d'une attention de tous les instants et très précise de ce qu'il écoute, mais le sujet, celui qui est prescrit encore une fois, qui est auditeur dans des situations imparfaites, des situations où il y a beaucoup de bruit ambiant. Donc c'est pas le sujet qui écoute de la musique avec un casque, sur son ordinateur, dans l'avion, dans une voiture, dans un restaurant. C'est le sujet qui est prescrit par ces formats n'est pas le sujet qui est à ce point pointilleux dans ses pratiques auditives. Et donc le format MP3 encode, si vous voulez, ce sujet auditeur fait pour des contextes d'écoute imparfaits. Okay, this is the last part of the answer. Brevity is not one of my virtues, but Maxim asked me to summarize the argument. So what this means is that, like in the telephone example, when we're talking about AT&T, we're talking about the generation of surplus value, but this is the opposite of, for instance, what the Italian autonomists talk about with affective labor, or Marx talks about with the general intellect, or the general stories about surplus value being produced through labor or through activity, right? This is surplus labor being produced through the measurement and then deployment of the limits of a human subject, right? So it's programming finitude into the communication system. So that's what's happening then. What happens in the 1990s with MP3s is that it's not so much an economic force, right? Because of course MP3s are being shared wildly. The money is being made on the use of infrastructure, on the purchase of hardware, on the purchase of consumer electronics and things like that. What happens with MP3s is that it produces both a mode of orientation, it takes advantage of a mode of orientation towards listening to music and helps produce a mode of circulation by virtue of the fact that the files are much smaller, so they're much easier to store on your hard drive or to circulate in the world. And they're part of a sort of change in the cultural attitudes towards music, towards a privilege of distraction and towards a privilege of circulation over deep, engaged, and rapt attention. Donc, le modèle, si vous voulez, qu'on peut utiliser pour analyser le MP3, c'est pas du tout celui d'analyse, par exemple, chez les autonomistes italiens ou les analyses marxistes en termes de plus-value. Là, en l'occurrence, encodé dans le format MP3, il y a cette idée d'une programmation de la finitude. Hein, l'idée, c'est qu'on va se faire de l'argent non pas en promouvant des formats qui sont censés être meilleurs que les autres. Au contraire, on a un format qui circule très facilement et on va pas nécessairement se faire l'ensemble de son beurre grâce à la vente de la musique elle-même, mais plutôt le matériel. Et donc, c'est bien un modèle aussi économique qui prend avantage de, enfin, qui se sert des situations d'écoute imparfaites et des moyens très de grande circulation musicale grâce au file sharing, au peer-to-peer, au téléchargement, etc.,
pour pouvoir justement développer un nouveau modèle économique qui n'est pas fondé sur l'idée d'un progrès du format, mais au contraire sur cette intégration de la finitude de l'oreille humaine dans le format lui-même. There's a whole chapter on cats too, but we'll skip that. Il y a tout un chapitre sur les chats si ça vous intéresse, mais bon, je ne vais pas en parler maintenant. J'avais raté une première blague, donc excusez-moi, je suis mauvais traducteur. Alors évidemment, ces questions-là, ce n'est qu'un tout petit aspect du travail de Jonathan Stern, des questions auxquelles peuvent s'adresser le Centre Studies. Je pense qu'on n'aura peut-être pas le temps d'aller beaucoup plus loin dans tout ça, de même que dans la présentation de certains éléments de la revue, il faudrait garder du temps pour un moment d'échange aussi avec vous, et puis aussi pour les écoutes, les interventions sonores qui vont clôturer cette soirée. On peut quand même prendre le temps de prendre le temps des questions, certaines choses. Notamment, voilà, pour clôturer un petit peu ce morceau-là sur la question de la production des subjectivités, pour prendre des éléments qui sont tirés du Poly 11. C'est vrai qu'on a mentionné le travail de Stéphane Aloïs-Gras sur les algorithmes de recommandation musicale qui peuvent être un petit peu vus comme, dans leur fonctionnement, alors séparant avec la question du MP3, il y a cette... des systèmes souvent auxquels on n'a pas accès, puisque Stéphane Aloïs-Gras s'est intéressé aux moteurs logiciels qui font tourner les méthodes de recommandation et les interfaces de Deezer, Spotify, etc., donc des sites auxquels on a accès pour écouter de la musique en streaming, mais on ne voit pas toute la complexité des algorithmes qui mettent les choses en lien et qui réduisent, en masquant toute une partie du dispositif à l'usager, réduisent le geste de l'auditeur au minimum, c'est-à-dire le plus souvent d'appuyer sur le bouton play et de suivre des liens qui sont déjà rendus disponibles. Du coup, du point de vue de la construction d'une culture musicale, à travers la recherche, à travers la construction d'un savoir personnel qui va faire des liens entre les choses, il y a des raccourcis qui sont faits, et c'est vrai que dans cette production d'un acte subjectif qui s'effrite, l'analyse de Stéphane Aloïs-Gras sur ces logiciels, ces moteurs, peut paraître assez inquiétante pour le moins. Pour mettre en balance, je voudrais mentionner un axe du travail de Judith Parreno qui interroge aussi cet aspect-là d'une manière beaucoup plus positive et très différente, parce qu'elle permet de voir cette question de la construction des cultures sonores et musicales comme un phénomène culturel dynamique. C'est un axe important de son travail sur la construction genrée des reprises de chansons. C'est à ça qu'elle s'attache, parce qu'elle montre comment se déplacent les significations, les identifications culturelles qui sont induites par la chronologie des cover songs, des reprises. Et du coup, si pour elle la voix parlée, puisque la question, sa question de cet article-là est la question du genre et de la voix dans ses reprises, si pour elle la voix parlée est marquée par le langage et prise de manière très forte dans les identifications de genre, la performativité de la voix chantée permet en revanche, comme elle dit, d'ouvrir les portes du genre. Et c'est à partir de cela que ça permet d'engager des permutations, des appropriations, des affiliations et des généalogies à partir desquelles se construit une culture musicale queer. Du coup, plus largement, on peut se poser la question de savoir comment les cultures musicales, les cultures sonores produisent ces formes de déplacement, de réappropriation de sens, etc. On a évoqué ce genre de choses en parlant de construction subjective, sachant que dans le cas des objets que regarde Judith Parreno, cette construction d'une culture musicale queer passe aussi par l'humour, par la distanciation critique de ces cultures sonores et musicales qui se prennent aussi comme propres objets et qui se remettent en cause.
Je pense qu'on peut effectivement proposer de prolonger un peu tout ça par des questions avec le public. Je présenterai ensuite, en lien avec beaucoup des questions qu'on a évoquées et d'autres, les deux interventions sonores avec lesquelles on finira la soirée. Bonjour, enfin bonsoir, je veux dire. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des prescriptions au sujet de la diffusion au grand public de la musique traditionnelle africaine, enfin des musiques traditionnelles en général, et de la musique contemporaine? Parce que je découvre ces genres musicaux et je me dis, mais nous sommes un peu... Comment dire comment je pourrais dire ça? C'est-à-dire, étant né en France, on n'arrive pas à définir. Comment dire? Ah, je m'embrouille. En fait, la musique que l'on. En fait, la musique. Qui est ethnique, par exemple, elle est relativement, elle n'est pas, on n'entend pas à la radio en fait. C'est-à-dire, c'est des labels comme Radio France qui collectent ce genre d'enregistrement, mais ce n'est pas, je n'ai pas l'impression que ces enregistrements sont diffusés à la totalité du public non initié, quoi. Et la musique contemporaine, c'est pareil. Je la découvre aussi, avec plaisir. Mais c'est dans des lieux, dans des salles de concert spécialisées. Et en fait, pour qu'émerge une culture, une nouvelle culture, je pense qu'il faut quand même certains ingrédients. Je ne sais pas s'il n'y a pas une auto-censure des diffuseurs de ceux qui s'occupent d'enregistrer, de promotionner ces types de musique, en fait, qui sont peut-être pas très confortables à l'écoute parce que il y a peut-être une question de longueur d'onde auquel on n'est pas habitué. Par exemple, moi, mes parents sont de la Guadeloupe. J'écoute la musique traditionnelle guadeloupéenne avec le tambour. Il a fallu du temps pour que je m'adapte aux voix, aux timbres et tout. Mais je trouve ça, c'est-à-dire, je trouve que ça m'aide à construire mon identité, en fait. Voilà. Is it that there are such discrepancies within the distribution, production of such music, especially when you look at France, the music that is distributed in France when it comes to like ethnic music from Africa, it's distributed by Radio France or by legitimate institutions rather than by major labels and so forth. I have some elements to answer. Do you want to answer? Go ahead. No, you go ahead. Je ne sais pas, tu veux répondre peut-être. Bon, évidemment, il y a tout un des choses qu'on a approchées hein, sur la question de l'industrie, de l'industrie de la musique, de l'industrie des productions sonores, de l'espace public, etc. Donc, avec, je trouve que ce dont vous parlez résonne en fait avec des choses dont parlait Juliette tout à l'heure, c'est-à-dire, enfin voilà, cette production industrielle et les fantasmes industriels qui vont avec. Il y a une industrie qui a son langage, son économie. Et qui va projeter des figures d'un auditeur qui est à la fois et parfois idéalisé, qui parfois est tout simplement l'auditeur majoritaire, et puis ça se résout du coup dans des questions qui sont tout simplement des questions économiques. Donc ça me paraît un aspect très important dans lequel on pourrait construire les choses. Enfin voilà, il y a tout un endroit de recherche, d'analyse de comment se font ces choix-là. Et puis après, il y a cet autre aspect qui est intéressant aussi parce que c'est un modèle qui est très différent.
vu que ce n'est pas quelqu'un dans un bureau qui va définir les choix de qu'est-ce qui passe à la radio, parce qu'on sait que c'est ça qui va marcher, mais c'est justement ce dont parle Stéphane Héloïse Gras avec les algorithmes de recommandation qui, eux, se basent en très très grande partie sur les données fournies par les utilisateurs eux-mêmes. Donc c'est vraiment du digital labor, dans le sens où personne n'est rétribué pour ça, mais en inscrivant des métadonnées dans les fichiers, en signant, en taguant les fichiers, etc., on fournit à des dispositifs comme celui qu'elle étudie des renseignements qui vont amener le système à proposer telle musique à celui qui écoute et qui a écouté celle-là juste avant. Et du coup, bah là, voilà, c'est une autre manière de construire le goût majoritaire. Pour ce qui est des musiques traditionnelles du monde, contrairement à ce qu'on appelle la world music, en effet, il y a des stratégies éditoriales qui sont radicalement différentes. La collection Okora Radio France, inscrite dans la manière dont elle markete les musiques traditionnelles du monde, il y a clairement un auditeur qui est celui cultivé, qui va s'intéresser aux fonctions de la musique, à ses origines, à la question de l'organologie, des significations musicales, etc. On est bien dans un ethos inscrit de l'auditeur, un ethos de l'auditeur qui est inscrit dans le dispositif du CD ou du format, qui est clairement en train de dire ça, c'est destiné à des gens qui sont curieux, des cultures, du monde, etc. Là où, évidemment, la constitution à partir des années 80, pour ce qui est la France, de la world music, à travers certains labels, certains intermédiaires comme Peter Gabriel, qui fait découvrir la musique kawali en France, et choses comme ça, on est beaucoup plus dans la recherche de formes musicales qui sont hybrides, qui intègrent certaines dynamiques de production occidentale. On fait venir des musiciens en France, même Bob Marley, hein, on le fait venir en Grande-Bretagne. C'est à partir de ce moment-là, dès l'instant où il enregistre en Grande-Bretagne, qu'il commence à avoir un succès universel, parce qu'on applique certaines recettes de production, typiquement occidentales, etc., et de marketing qui vont avec forcément tout ce que ça implique de construction de l'authenticité, de réduction de l'altérité à des choses éventuellement plus faciles à absorber pour le regard occidental, etc. Bon, évidemment, derrière ça, il y a des stratégies industrielles de l'industrie du disque qui ne sont pas les mêmes lorsqu'on est Okora Radio France et qu'on s'adresse finalement, même si l'idéal c'est celui d'une démocratisation culturelle, on s'adresse quand même à l'auditeur cultivé, là où la world music cherche, grâce aux recettes de la pop, à faire vendre une musique hybride qui n'est pas forcément inauthentique, hein, mais en tout cas hybride, qui fonctionne en termes de production sur des recettes qui sont radicalement différentes de la récolte, du recueil de musique in situ par des musiciens authentiques, etc. Bonsoir à tous. Je profite que Jonathan Stern soit là et puis son traducteur aussi. Ma question est assez triviale en fait, mais elle m'obsède depuis quelque temps. Comment The Audible Past est devenu dans sa traduction française Histoire de la modernité sonore ? I think that's a question for our esteemed translator. Basiquement, c'est traduire The Audible Past par le passé audible, c'était relativement limité comme titre attrayant. Et voilà, c'est un choix éditorial concerté autour d'un certain nombre de propositions. Il est vrai qu'une histoire de la modernité sonore, la notion même de modernité n'est pas non plus celle qui est la plus documentée par le livre de Jonathan, mais il y a une véritable grille de lecture de la modernité au sens où il y a véritablement un axe de questionnement qui enlève en fait la problématique de la musique pour laisser place au son et pour laisser place au bruit. Et donc tout le livre en fait essaye de penser le 19e siècle depuis l'évolution de certaines pratiques médicales, la naissance du stéthoscope. La préhistoire, l'archéologie médiatique du téléphone, enfin, voilà, c'est vraiment ça le fond du propos de Jonathan.
Et donc tout ça emporte une modernité et une histoire qui finalement aboutit à ce titre-là. Il y a peut-être quelque chose qui peut être intéressant à mentionner quand même, c'est que le livre de Jonathan porte justement, au-delà de la modernité qui resterait un concept ou une notion on va dire, quasiment un peu marginale, il y a une notion qui est centrale dans son propos, c'est la notion de technique d'écoute. Audio technique, the concept of audio technique, qui est en fait une problématisation de comment un nouvel auditeur apparaît, comment est-ce que de nouvelles modélisations scientifiques, techniques, esthétiques apparaissent, basculent d'un modèle dominant d'une reproduction sonore fondée sur l'imitation de la voix vers un modèle dominant de reproduction sonore fondée sur le modèle de l'oreille. Et derrière ça, il y a une notion qui est la notion de technique, qui renvoie aux travaux de Marcel Mauss, à la notion de technique du corps, qui renvoie à tout un ensemble de travaux également plus contemporains. Et là, j'en viens au titre alternatif qui aurait pu être retenu. C'est un livre qui aurait pu s'appeler, de manière, je pense, très intéressante, « Les techniques de l'auditeur » en référence aux travaux du théoricien critique d'art Jonathan Crary, que j'ai mentionné à propos de la problématique de l'économie de l'attention. Crary a sorti un livre en 1990 qui s'appelle Techniques of the Observer, donc les techniques de l'observateur, qui malheureusement a été traduit en français en 1994 aux éditions Jacqueline Chaumont par le titre L'art de l'observateur. Donc déjà la notion technique posait un certain souci. Et voilà, il y a eu un titre qui a été envisagé pour le livre de Jonathan, Techniques of the Listener, aurait été une très très bonne traduction, puisque cette notion de technique, bien au-delà d'une acception restrictive tournée vers la technique liée au téléphone, liée à ATT, qui ont été mentionnées également pour la préhistoire du MP3, cette notion de technique, c'est vraiment c'est la technique subjective, en fait. C'est vraiment comment un nouvel auditeur naît, comment les médecins devancent de 100 ans les premiers auditeurs au casque parce qu'ils formalisent les mêmes opérations. Avec un stéthoscope, on s'isole dans un monde de son. Avec un stéthoscope, on commence à rationaliser la pratique sonore. Avec un stéthoscope, on commence à développer la possibilité professionnelle. En gros, on devient une élite sociale parce qu'on sait écouter d'une manière que personne d'autre ne maîtrise. Voilà, il y a vraiment cette notion-là qui aurait pu donner ce titre alternatif. Et finalement, c'est une histoire de la modernité sonore et c'est pas si mal. Merci. Let me just follow up with a couple things. First is always trust your translator's judgment. If they say passé audible is not going to work, then it's not going to work. Second of all, modernity is at the heart of the argument of the book, as you just heard. And there's a reason for that. And also it's important that the title is une histoire, not le histoire. It's a story, a history, not the. And the reason for that is this. When I began working on this topic, I was reading a lot in cultural theory, including a lot of French cultural theory. And in fact, one of my favorite things about this is that the book is being translated into the language that perhaps most influenced it, or at least of the writers who most influenced it. Wait, maybe I should stop so you can translate that before I keep going. Ok. Il y a plusieurs raisons. D'abord, plusieurs raisons. D'une part, on m'a dit, enfin, je sais tout à fait que le premier axiome lorsqu'on se fait traduire, c'est fais confiance à ton traducteur. Hein. Deuxième chose, c'est en effet la question de la modernité, comme Maxime vient de le dire, est bien au centre de cet ouvrage, bien une histoire de la modernité, pas l'histoire seule, singulière de la modernité. Autre chose qui me semble importante et qui m'a beaucoup plu, c'est que finalement, une des plus grandes influences en termes d'air culturel et intellectuel sur mon travail dans cet ouvrage, c'était bien les théories culturelles venant de France. Et donc, je suis assez content de ce que l'ouvrage soit traduit en français. OK. So, the reason why modernity is important is because when I was reading, before actually doing the work, the thing that struck me in cultural theory at the moment was the degree to which visuality was given as the social chart of and the explanation for modernity.
this didn't make any sense to me. I would read, you know, Theodore Adorno, who would say, sound is an archaic mode of relating, whereas vision is the mode of rationalization. I would read Michel Foucault, who says, well, of course, the stethoscope is really a technique of looking, even though it was a technique of hearing, because he'd made a prior argument about visuality and modernity. And I'd read Walter Ong and Marshall McLuhan, who would make a actually what I think is a highly racially tinged and problematic argument about orality, sound-based culture existing in some collective past of the West. So I was determined to write a story where sound was at the very center of the history of what we call modernity. Specifically what Marshall Berman calls the maelstrom of modernity, which is the mixing together of capitalism, rationalization, industrialization, colonialization, the rise of science, the rise of big institutions and bureaucracy, and so on. And so that's what I set out to do. So modernity really is at the center of what I'm trying to do in that book, and so I think it's a perfectly good title. La modernité, en l'occurrence, c'était très important parce que, en fait, lorsque je lisais Adorno, par exemple, qui disait que le son, c'était le son relevé d'un monde archaïque, d'un mode archaïque de communication. Lorsque je lisais Foucault, qui disait que le stéthoscope était en fait une technique visuelle, lorsque je regardais des gens comme Marshall McLuhan ou Walter Ong, l'oralité était toujours présentée comme un passé de l'homme occidental. Eh bien non, enfin, moi je voulais justement sortir de cette manière de se centrer toujours sur la dimension visuelle pour montrer qu'il y a bien un son au centre de la modernité, au centre de ce maelstrom de la modernité, pour parler comme Marshall Berman. Et donc c'est un très bon titre. Et donc c'est un très bon titre. Peut-être, à moins qu'il y ait une autre question qui vienne tout de suite, sinon peut-être qu'on va s'arrêter là vu l'heure. Je vais donc prendre quelques petits instants pour présenter les deux interventions sonores avec lesquelles on va terminer la soirée. D'abord Yann Le Guay, puis Gaël Segalen. Interventions sonores qui résonnent chacune avec des thèmes qu'on a abordés ce soir. Yann Le Guay est un artiste sonore qui s'affronte très littéralement à la question des dispositifs et à la question de la technologie, et notamment il y a quelque chose par rapport à tout ce qu'on a dit sur l'axe sonore visuel. Il y a aussi cette question de l'opacité des systèmes techniques, et par exemple si on prend le cas du phonographe, très tôt le phonographe est devenu quelque chose qui sert une reproduction sonore. On est censé entendre la musique qu'il reproduit et ne pas... On masque le bruit, on masque son fonctionnement technique pour qu'on oublie qu'on entend aussi le bruit que le dispositif produit, et qu'on entend aussi ce qui est ou qu'on voit aussi ce qui est de l'ordre de la production. D'un phénomène mécanique dans le cas du phonographe, mais on pourrait étendre ça à l'électronique et au numérique. Et du coup, il y a toujours ces publicités pour le phonographe, et c'est un terme qui est resté très présent dans la manière de parler des technologies de reproduction sonore, cette question de la transparence. On a toujours vanté la transparence d'un système tout en gardant le système lui-même relativement opaque. Je mentionne ça. Il en est question dans le Poly, dans l'article que j'y ai écrit, un peu plus en détail. Je mentionne ça parce que Yann Le Guay est quelqu'un qui, dans son travail, ouvre les machines et redonne de la transparence précisément à l'endroit de l'opacité des systèmes techniques, des dispositifs sonores, et qui va justement s'attacher à utiliser le bruit ou les sons que produisent les machines elles-mêmes, et non pas à travers elles les contenus qu'elles sont censées reproduire. Il s'est aussi intéressé dans la revue à des choses dont on a parlé avec Juliette Volclair, à ces questions des armes sonores. Il présente de manière graphique 8 modèles de grenades assourdissantes.
Alors là aussi, on pourrait parler d'une certaine manière, ça y fait écho sur ces fantasmes militaires sur les armes sonores, et puis enfin voilà, ces technologies qui sont elles aussi qui ont des opacités peut-être plus politiques. Je mentionne donc au passage qu'en écho à cette intervention sur les grenades assourdissantes dans le Poly 11, la première proposition de Yann avait été de vous faire entendre des explosions de répliques de grenades assourdissantes. Compte tenu de la situation, des événements récents, on a préféré ne pas faire entendre ces déflagrations-là. Une proposition qu'on va quand même écouter, un bruit moindre du coup. On va entendre une diffusion qui en fait est constituée de sons de sirènes, de 23 modèles de sirènes superposés les uns aux autres. Donc une diffusion qui va durer un petit peu moins de 10 minutes. Toute cette autre partie du travail de Yann considère, alors je t'inviterai à prendre le micro s'il faut compléter des choses que je dis, concerne cette approche donc, qu'on a mentionnée aussi, psychoacoustique. La dimension psychoacoustique étant très présente dans les armes sonores, puisque voilà, il s'agit d'influencer de manière très, très radicale les comportements. Donc en suscitant des réactions immédiates en utilisant les effets sur la subjectivité justement que peut produire le son. Et du coup, dans ce qui nous sera donné à entendre, c'est aussi de voir comment dans la musique, dans les arts sonores, il y a une dimension psychoacoustique dont on peut se réapproprier pour mener des expériences esthétiques dans une certaine direction aussi. Je présente aussi et tout de suite la performance de Gaël Segalen, à moins que Yann Le Guay ne m'interrompe parce que j'ai très mal présenté son travail. Je présente tout de suite la performance de Gaël Segalen qui sera diffusée ensuite. On fera pas, on se mettra dans une ambiance beaucoup moins lumineuse pour les écoutes, et puis on enchaînera les deux propositions. Gaël Segalen qui donc on pourrait présenter ici comme quelqu'un qui s'est affranchi d'une formation dans les sciences sociales pour devenir musicienne et compositrice, qui travaille la musique électroacoustique, mais aussi avec des formes improvisées. Et sa manière de travailler, je pense, résonne particulièrement avec ce qu'on a dit de la manufacture de subjectivité, mais sous un jour qui est assez... qui sera une note assez optimiste, puisque pour elle, elle insiste vraiment sur la volonté, par son travail, de participer à quelque chose qui serait de l'ordre de l'émancipation de la subjectivité de l'auditeur. Elle approche ces matières sonores en essayant d'affirmer la possibilité de les défaire des identifications culturelles qui hiérarchisent les sons et qui organisent la perception sonore, d'abolir aussi les étanchéités entre des sphères de perception et d'essayer de matérialiser à la place des liens directs, des proliférations de significations. Alors elle utilise le micro pour mettre en relation des choses de manière par exemple très concrète, en mettant autour d'un micro des gens qui ne se connaissent pas et pour voir quelle parole va émerger de ça, et parfois des gens qui ne parlent même pas la même langue. Donc la musique comme manière de tisser des liens entre des sons qui a priori n'ont peut-être rien à voir ensemble ou pourraient être perçus de manière très séparée. Elle parle justement de polyécoute pour évoquer cette capacité qu'on peut et qu'on doit accorder à l'oreille d'écouter tous les sons. Et ce que je trouve aussi particulièrement intéressant dans son travail, c'est qu'il s'agit de replacer le geste de composition à l'endroit d'un accompagnement de l'expérience d'écoute et d'une ouverture plutôt qu'une manière de diriger l'expérience d'écoute, ce qui serait donc une manière de restreindre l'expérience. Voilà, là aussi Gaël, je t'invite à intervenir si jamais il y a des choses un petit peu importantes à compléter. Et puis
pour finir, alors évidemment, on n'a pas remercié, on n'a ni mentionné ni remercié tout le monde à propos de la soirée de ce soir. Je remercie vraiment encore nos intervenants d'avoir été là, de remercier le comité de rédaction de Poly, Fred Payet aussi, qui a co-dirigé la revue avec nous et qui a fait un travail très important, même s'il n'est pas spécialiste du son. Mais par contre, c'est grâce à lui qu'on a réussi à construire ce numéro. Et puis, évidemment, encore une fois, la BPI et vous pour être venus ce soir. On va se retirer de l'estrade et s'asseoir avec vous. Et puis, on va laisser la place aux interventions sonores. Merci.
sol et t'es encore plus haut. À un moment, t'es au-dessus des nuages même. Et ben, voilà, j'aime bien. T'as la permission de même de voler toi-même. Ouais, pour moi, j'ai eu l'impression. Pour la première fois. Mais après, la deuxième fois, la troisième fois, t'as l'habitude. Il y a aussi, comment ça s'appelle ? À un moment, t'as mal aux oreilles. Zone de turbulence. Ouais. La zone de turbulence. C'est dans une zone où l'avion, c'est comme s'il tremblait, façon. Tu t'entends des bruits, là. Vers la fin ? Non, parce que je suis jamais allé. C'est une turbulence, oui, je crois. Mais je sais pas, c'est quand t'as mal aux oreilles vers la fin, là, quand tu décolles. Ouais. Moi, si c'est ça, ouais. Non, c'est quand presque t'arrives. Quand t'arrives, presque. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, je crois. Ouais, ouais. Ouais. Je sais pas. Comment dire ? C'est une sorte de. C'est un peu la même chose que la Terre, hein, parce que t'es pas. C'est pas comme si t'étais. Toi, vraiment, vraiment sous des airs. Parce que t'es dans une sorte de l'avion. C'est comme une sorte de boîte. T'es dedans. Et voilà, t'es exporté. Ouais, c'est-à-dire, bah, t'es porté par l'avion. Mais quand tu marches, tu vois bien que c'est un peu comme si, quand tu marches dans l'avion, tu vois bien que c'est un peu comme si t'étais ici, là, sur Terre. Sonido. Hey. Hey, hey. Hey, sí. Escucha. Hey, sí, hola, hey, sí. Me encajona. Epi. Con esta distancia está bien. Esta distancia está totalmente bien. A esta distancia está bastante bien. Y así es como voy a hablar. ¿Ah? Bueno, ustedes son los que dicen. Me parece que está bien. Ese es el blackout. Mucha mierda. Là déjà, c'est une belle chose que fait déjà là, parce que si tu retraces en crayon noir, disons, tout ce parc-là, tu imagines déjà que là, juste au-dessus de la Seine, ben, j'ai l'impression de voir comme un troupeau de vaches. Thank you.
C'est pas, c'est pas.